Cette semaine, une avocate de la défense a créé une vive polémique en faisant sur Instagram des stories au cours desquelles elle commente librement et même fait de l'humour et des chorégraphies à propos d'un procès en cours, un procès qui juge des faits extrêmement graves et lourds. Alors, est-on en droit de s'en indigner? Pour répondre à la question, je vous propose de transposer le comportement de cette avocate au grand procès du passé. Non mais voilà, vas-y, j'ai vu qu'il y a des gros bâtards incultes. Ils ont lancé le hashtag Landru assassin. Mais attends, ils en savent quoi? On les a pas retrouvés les corps, hein? Alors tu lui reproches quoi à mon client? Bon, quant à la cuisinière, il s'en sert parce que il va participer à l'émission Top Chef. Eh ouais. D'ailleurs, en bas de la vidéo, je t'ai mis les liens avec toutes les recettes que tu pourras refaire chez toi. Bon, et tu oublies pas de me liker, hein? Je sors du dernier jour du procès, je suis franchement, je suis rétamée. Bon, en plus, ça a chauffé, Fada. Le juge, il a pas du tout aimé quand je dis que mon client Ravaillac, eh ben, les coups de couteau, il les a donnés, mais il n'était pas responsable, tu vois. Il était genre sous le coup d'une folie, d'un commandement divin. Bon, le juge, il a pas du tout marché. Donc, je pense que mon client, il va avoir droit à écartèlement, supplice en place de grève et tout le tout-chi. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est que j'y serai pour te faire un live. On va se régaler. Bon, et surtout, ouais, tu penses bien me follow, hein? Wouhouhou! Qui c'est la best? Qui c'est la chef? J'ai tellement bien plaidé que Pilate, il a acquitté mon client Barabbas et il a fait condamner l'autre, là, Jésus de Nazareth. Bon, le mec, il va être crucifié, mais j'en ai rien à cirer. J'ai bien fait mon boulot et je veux pas entendre un mot des rageux, hein. Alors ce soir, rendez-vous à tous sur la colline du Calvaire. On va se faire la grosse teuf. Et bon, je veux pas enfoncer le clou, mais je peux te dire que je vais la faire, la teuf. Parce que la défense de Barabbas, je m'en suis pas occupée pour des clous, hein. Alors est-ce que l'évolution de la justice va dans le bon sens et est-ce que notre humanité en sort grandie? À vous d'en juger.